Hello, hello, hello. Alors là, j'ai absolument besoin qu'on me dise si le son est correct. Comme d'habitude, un petit peu de bagarre le matin avec le son. Salut Benjamin. Benjamin, bien dormi après ce live de... des nouveautés iOS. Dis-moi si le son est correct, s'il te plaît. Salut Leïla. En fait, j'utilise le sans fil. Salut Julie. Salut. Mais où t'es ? Nickel le son, merci. Alors, je vais m'éloigner et on va voir si le son continue à être bon. Normalement, il devrait parce que... Bah, il devrait. Et moi, j'ai pas eu la notification du direct. Bravo. Voilà, je l'ai là, je l'ai écouté. Tu dis que le son. Et moi, j'ai pas eu la notification. Ah, bah, c'est très bien, c'est super. Donc, même étant ici, tu m'entends super bien. Bon, allez, je suis. C'est écrit convention client 2018 Orange. Si tu es là, bah, c'est bien. Si tu es dans le coin, viens me voir. On se fait un petit selfie avec le Huawei P20 Pro. Et puis, si tu n'es pas là, bah, je te fais profiter un petit peu du beau rayon de soleil pour. Pour l'ouverture, pour le matin, tranquille. Ça va démarrer ici, allez, 9h, 9h30, suivant les équipes, suivant les trucs. Et puis, ben voilà, quoi. Salut, oncle Benz. Ah, toi, tu es là, c'est pour une raison bien précise, mon ami. Et salut, Kevin. Salut, Matititi. La Matititette. Comment tu vas? Je ne fais de duo avec personne, parce que tu sais très bien qu'à chaque fois que j'essaye, eh ben, ce qui se passe, c'est que le micro déconne, on perd le son et tout. Donc là, ça marche. On va rester comme ça. Restons groupir. Alors, on va laisser s'installer tranquillement tous ceux qui sont là aujourd'hui. Dominique, Paoli, Oncle Ben, Kevin, Matititi, Amar. Amar qui nous a manqué au... Tu nous as manqué au... Comment ça s'appelle à l'after work, hein, mardi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça sera pour la prochaine fois. J'espère que la bosse du petit a baissé un petit peu. Il y a Anan qui est là, salut. Normalement, si tout va bien, il va y avoir tout à l'heure Anthony et Julien qui sont quelque part dans l'hôtel là-bas. Ils se réveillaient il y a 10 minutes, donc à mon avis, ils ne vont pas être là tout de suite. Et puis sinon, bah, tous ceux qui veulent bien. Bon, déjà, je vais faire un truc que je fais de temps en temps, c'est-à-dire que je me fais un petit... Alors là, c'est vraiment au maximum le selfie de la matinale, c'est-à-dire je prends le matériel, je prends ça comme ça et hop, un petit selfie. Avec le Huawei P20 Pro. Je te rappelle que c'est de la bombasse. De la bombasse. Alors, mais je suis obligé de garder ça sous les yeux. Salut Edith, comment tu vas? Paoli qui nous dit salut, salam, shalom, la team Pigeon et Rat, c'est l'heure de se préparer, d'aller justifier son salaire. Et oui, on a besoin que tu justifies ton salaire. On a surtout besoin que tu bosses beaucoup pour nous, hein, pour nous rapporter de l'argent. Parce que hey, si toi tu bosses pas, on sait pas où on est. Je commence à voir sur le groupe de plus en plus des petites allusions à la prochaine période commerciale. Je te rappelle que tu es soumis à la confidentialité. Tant qu'on n'en parle pas dehors, tu n'as pas à en parler. Donc restons cool parce que les modérateurs veillent. Voilà, voilà. Salut Vivien, salut Calvin. Je fais les anniversaires. Je fais maintenant les anniversaires parce que peut-être après ça va être un petit peu plus chaud. Hein, aujourd'hui, on a une sacrée brochette d'anniversaire. Bah, tous ceux qui prennent un an aujourd'hui, à qui on va dire bise et bulle, parce que, bah oui, bise et bulle. Ça roule, tu as remis ton beau t-shirt. Et oui, en plus, ça tombe bien, Matititi est dans la place, parce que ce t-shirt, c'est un cadeau de Matititi. Hein, voilà, c'est un t-shirt où on te voit de loin, parce que je me suis dit, tu vas pouvoir le remarquer, c'est que les gens qui viennent à la convention, en général, c'est sérieux. Donc, c'est costard noir, bon, c'est plutôt dans ce style. À côté, il y a mon collègue de Corse, lui, il a été un petit peu plus... Hein, mais sinon, en général, c'est on fait gaffe parce qu'on ne sait jamais. On peut croiser Fabienne Dulac, on peut croiser Laurence Touveny, donc il vaut mieux être groupir. Allez, on y va pour les anniversaires. Hop, j'y vais. En plus, aujourd'hui, c'est un jour qui est rempli de bonnes nouvelles. Hein. On est le 20, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fête à la maison. Hier, on était, asphyxié. Et puis aujourd'hui, ouf, le compte en banque va être content. Et j'espère que ton compte en banque, c'est un Orange Bank. Moi, je dis ça, je dis rien. Et puis en plus, en ce moment, on peut continuer les parrainages. Faut y aller, faut y aller. Faut,
faut pas se bonjour. On faut pas se voilà, faut pas se mettre de barrière. Tu y vas franco franco. En plus, c'est jeudi, donc c'est plus qu'un jour avant le week-end pour certains. Et il y en a qui bossent le week-end. Et puis, dans ces cas-là, bah écoute, ça nous fait du bien. Joyeux anniversaire à Uncle Benz qui est dans la room, mon ami. Je te fais des bises et je te souhaite une petite coupette ce soir. Joyeux anniversaire aussi à Christelle Ducasse, Juanico, hein, avec qui on a fait le Sophia Live Music bah, la semaine dernière. Bah, c'était tout pile poil une semaine. Voilà, donc un super festival que je conseille. 10 groupes dans tous les styles. Je te rappelle des gens qui sont sur la zone de Sophia Antipolis parce que ce sont les entreprises qui sont sur le site qui organisent ce festival, bien entendu. Et donc, dedans, à Sophia, il y a Orange. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à toi, Christelle. Joyeux anniversaire à Ludovic Isartel. Alors, Ludovic, je ne l'ai pas rencontré. Par contre, on a beaucoup échangé. Rappelle-toi, c'est la série Les Débloqués. Il y a eu 3 saisons qui sont passés sur la communauté des agrumes, ben, on a bien rigolé, hein, tu sais, avec ils sont allés au Sénégal, en fait, les débloquer, c'est tout des histoires autour d'Orange, du crédit, etc., etc. Joyeux anniversaire aussi à Florinou, à Jacques Leroy, à Franck Leuillet, à Luis Ferreira Pavesi, à Laetitia Samuel, à Thomas B.A., à Fabrice Grandhomme, à Cathy Hacher, à Médanie Hicham, à Marlène Schmitt, à Claire Bramt qui est du côté de Lyon, et le truc, il a disparu, comme d'habitude. À Nacho Virol. Android, je commence à pas trop t'aimer. Hein. Stéphanie Michel. Ah oui, Stéphanie Michel qui est à la boutique de Tarbes. Et oui, je te fais un gros bisou. Enfin, j'espère que tu es toujours à la boutique de Tarbes. On s'est rencontrés une fois là-bas et puis on s'est rencontrés sur les OA. Et puis, je te souhaite ben, évidemment un bel anniversaire. J'espère qu'aujourd'hui, à la boutique, il va y avoir une petite coupette qui va tourner à midi, avec modération, comme on dit. Joyeux anniversaire à Jérémy Thomas et à Michel Junior. Michel, j'ai apprécié la manière dont tu as fait ton pseudo, Michel Junior, c'est bien, c'est bien. Il y a de la suite dans les idées. Et puis aujourd'hui, tout particulièrement, bonne fête à tous les Mathieu. Alors si tu t'appelles Mathieu, c'est que bah, ta vie va être, oui, elle va changer aujourd'hui, c'est ta fête. Voilà, salut André, comment vas-tu? Je vois Pascal qui est là. Bon, Pascal, n'oublie pas de me dire quand est-ce que je peux venir chez toi. Ta code room m'intéresse. Salut Lorraine, salut Seb, salut Linda, salut Delphine. Alors, ne parle pas de la New Peco, levée de confidentialité bientôt. Demain, sortie officielle de TNS et TNS Max avec, comme d'habitude, des stocks tendus. Le TNX S Max 512 ne sera pas commercialisé en réseau de distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas en boutique le 512, mais peut-être à ce moment-là, il sera disponible sur la vente en ligne ou alors directement chez Apple. Hein. Écoute, on ne va pas s'embêter. Hein. Et puis quand tu dis que la levée de confidentialité bientôt, ça veut dire quand? Parce que si c'est le 4, ça veut dire que ça sera quoi? Le 2, le 1, qu'on va libérer un petit peu le truc. Ouais, bah écoute, tant mieux. Moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui vont faire la queue, comme d'habitude, pour sauter sur le iPhone dès sa sortie, alors qu'on a répété et dit que c'était pas la peine de se précipiter. Hein, ça va se décanter tranquillement. Si t'es pas le premier à l'avoir, ce n'est pas grave. Tout le monde ne s'appelle pas Jérémy Bouillet. Hein, à un moment donné, il faut savoir un peu lâcher du lest. Et puis voilà. Heureusement qu'il y a le replay. Eh oui, je sais pour la très très bonne émission hier. On a appris des choses. Moi, j'ai appris surtout des choses en direct. C'est-à-dire que quand Benjamin ou André annonçaient une nouveauté, je le faisais directement et puis là, c'était bon. Bonjour jeune homme. Christophe. J'adore quand on vient me dire bonjour Christophe et que moi, je ne sais pas qui c'est. C'est génial. Et que je ne sais pas qui c'est. Alors, tu sais ce qui se passe en général avec les agrumes. C'est directement ouais. Un petit. Il faut y aller. Quoi. En plus, il nous fait le signe du. C'est que ça, c'est le signe du lémurien. dès que tu vois un malgache, il fait une photo, il fait comme ça. Bon, alors, cette convention, comment? Génial. Ouais, franchement, en tout cas, la première journée nous a annoncé quelques belles surprises. D'accord. Et puis, on devrait avoir une belle surprise cet après-midi en fin de convention. Quoi.
Oh, il n'a rien dévoilé, mais il a dit qu'il allait y avoir des surprises. Ouais. Bon, ben, c'est très bien. Moi, j'ai regardé un petit peu le concert d'Ifen Ifen hier. Ouais, très très bien. Non, ah, très très, bon. Bien. Très, très c'est, bien. En plus, c'est un groupe niçois, c'est un groupe de chez moi, donc tout va bien. Très bien. En tout cas, super boulot. Merci. Ça va parce que tu mets de la bonne ambiance. Quoi. Merci. Bon, et heureusement qu'il y a tous les enregistrements qui restent comme ça. Le jour où il y a mon procès, hop, je mets tout de côté. Salut Julie. Salut. Ah, il fait beau. Il fait beau. Ouais, non, tu dis que je suis à Deauville. Oui. Bah, écoute, Edith, si tu étais venu à l'after, tu aurais su en avant-première que je venais à Deauville. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc hier, retour un petit peu sur le live qu'on a fait, un live quand même qui a duré 1h20, 1h30. On était finalement presque 500 sur le direct à parler des nouveautés, donc iOS 12, Watch 5, et puis on a eu la surprise de voir arriver notre ami Jérémy qui a complété. Salut Xavier, salut à ceux qui nous rejoignent. Salut Rodolphe. Salut Lulu, oh Lulu, je te fais de gros gros bisous, j'ai vu que tu étais à Bali. Donc j'espère que tu profites un maximum. Alors là, maintenant, je te conseille une chose. Tu oublies tout et tu profites. Pendant la durée, il faut le dire, hein, moi je le dis aux autres, hein, je suis dans la confidence, Lulu est en voyage de noces. Eh oui. Lulu qui a été quand même la première agrume à m'inviter à son mariage. Non mais je dis ça, je dis rien. Hein. J'ai toujours le secret espoir que... Ah, je croyais que tu étais non, pas Bali, en Malaisie. Ah ouais, en Malaisie. Ouais, je pense que les massages malaisiens sont mieux que les massages balinois. Donc, profite bien. Salut Olivier. Comme tu vois, ils ne sont pas encore arrivés. Hein. Anthony et Julien, je ne sais pas ce qu'ils font. Enfin, bon, bref, il y a une demi-heure, ils étaient encore endormis. Salut Pascal, boss, salut les agrumes, bises et bulles. Et happy birthday à toute la DOGDT. Va leur faire un petit coucou. Alors, j'ai vu que la GDT était à la convention. J'ai vu que la... Ah bah tiens, Valérie. Valérie! Viens, viens! Eh, hey, moi quand je vais déclarer, j'ai viens, viens! J'ai pas osé t'inviter à mon divorce, zut! Attends. Non mais ton divorce, c'était pas bon! La bonne tête! Je rassure Valérie, la tête, c'est ta tête. Ah, hier c'était bien. Hein. Ouais, c'était une très belle soirée. Ouais, non mais j'ai vu quelques petits extraits vite T'as fait. Vu? Ah oui, tu sais, aujourd'hui avec Facebook, les gens, ils sont à quelque part, je ça partage. Je me suis dit, il y a tellement eu de partage, ouais, qu'à la limite, ils auraient mieux fait de m'inviter et je faisais un live complet. Bah oui, parce que. Mais c'est vrai, c'est vrai. Plutôt que de faire 10 partages avec 10 vues, autant faire un partage avec moi. Et t'as je faisais, raison, voilà. T'as raison. Donc t'as c'était raison. Bien. C'était super. Ouais. Est-ce que la patronne a dit au revoir? La Laurence... patronne n'a pas encore dit au revoir, je pense qu'elle le fera à la clôture à 16h30. D'accord. Je pense. Bah écoute. Voilà. Tout va bien. Ouais, moi, ça me fait plaisir bien. De te voir, ça fait longtemps. Tenir... On, ouais, se voit, on se voit sur les images, bah, ouais, mais ouais, ouais. On se voit je pas souvent. Aller, je vais aller tenir mon stand. Un stand de quoi? Tenues. Des tenues en boutique pour leur montrer hey. les matières, voilà. Donc les nouveaux modèles. Les tenues en boutique, c'est elle. C'est pas de sa faute, mais c'est elle qui les défend. Ah, c'est de ma faute elles aussi. Sont belles? Ils ont le droit. Tu ouais. nous feras des photos? Je trouve qu'elles sont belles. Ouais, bien sûr. Super. Allez, à bientôt. À bientôt. Donc voilà, Valérie qui a les tenues, t'as compris. Salut Julien, ça y est, enfin réveillé. Je t'attends, hein. Je t'attends pour que tu viennes co-animer la matinale avec moi. Voilà. Salut Marilyn, sinon moins loin, il y a Beauval avec son hôtel balinois. C'est vrai aussi. Ils sont où les beaux gosses? Bah, à mon avis, ils sont encore endormis. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. On n'y peut rien. Et oui, de nouvelles tenues. Ah oui, ben pour toi ça t'intéresse André, parce que les nouvelles tenues, ça veut dire que tu vas toucher tes tenues, enfin. Donc oui, je reviens un petit peu sur les fonctionnalités de iOS 12. C'est vrai qu'on a, un petit peu tout fait. Ce matin, j'ai essayé de faire une copie d'écran de mon, tu sais, l'écran de la nuit. Honnêtement, c'est vrai, je rectifie un peu ce que j'ai dit. L'écran, il se noircit vraiment à une luminosité vraiment minimale. Avec dessus le minimum qui te dit « je dors, aucune notification, on ne dit rien ». Et c'est top, c'est vraiment plaisant. Qui j'ai vu? Tiens, ah, mais ici je vois plus vite que ce qui arrive là. Donc Alexis qui nous a rejoint, salut Alexis. Je regarde toujours autour si je reconnais des agrumes qui sont là. J'ai vu passer les agrumes de la Run, mais je crois qu'ils sont allés déposer leurs affaires. Bon ben, ça arrive tranquillou. Tranquillou. Donc là, tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que j'ai rendez-vous avec des agrumes un petit peu plus bas en Normandie.
Parce qu'autant profiter, autant mettre le paquet en Normandie tant que j'y suis. Et puis, quelle heure il est? Il est 8h54, alors tout va bien. Donc, au programme de ce qui va venir de la, du week-end, pas grand-chose, pas grand-chose. Je vais peut-être me faire un petit live musical samedi ou dimanche, suivant mon humeur et surtout l'humeur de ma petite, si elle est d'accord pour m'accompagner. Bah, sinon, bah, on va voir comme ça. Je n'ai pas essayé ici de faire une chose, c'est de refaire un double live. Donc, je crois que c'est pas possible. Salut Hardy Loïc, comment vas-tu ? À propos des lives qu'on fait le soir comme ça, à propos de sujets, ça serait bien si tu as une idée ou si tu as quelque chose qui te passe par la tête, une question, quelque chose, tu nous en parles et puis on voit ce qu'on peut faire. Si on peut lancer un petit truc pour parler de tous les sujets. Je sais qu'Apple, c'est hyper vendeur, mais bon, on peut parler du prélèvement à la source aussi. Hein? Parlons des choses qui fâchent. Mais bon, les impôts, ça va changer un petit peu pour quasiment nous tous l'année prochaine. Donc, on peut faire un sujet là-dessus. Je recherche un spécialiste de la comment on appelle ça, les impôts, de tout ce qui est impôts, trésor public et tout ça. Oui, je peux te dire qu'il fait beau à Deauville, un petit peu froid et j'ai présagé parce que tu as vu, j'ai mis un t-shirt. Mais bon, ça, on se maintient. Salut Alexandre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Comme j'attends Julien et Anthony, je suis un petit peu... Ah oui, on va parler un petit peu de modération. Un petit peu de ce qui a fait les beaux jours de la modération récemment. Alors, il faut que je sorte du live, il faut que je... Déjà, ici, j'ai un modérateur. Oui, je reçois de plus en plus... Et fiscalité, merci André. C'est le mot que je cherchais. Je reçois de plus en plus de demandes, alors soit en MP, soit par mail et tout, pour des cagnottes, pour des aides, pour des choses. Et je suis un petit peu embêté parce que à chaque fois... Les causes sont très nobles, je vais dire une famille en difficulté, un enfant malade, des trucs. C'est toujours des causes très nobles, malheureusement. On ne peut pas publier sur le groupe des appels à dons. Ça fait trop. Et des fois, quand vraiment je publie sur mon mur perso, sur mes murs perso, ok. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait le but. Et je suis un petit peu embêté de refuser, mais bon, il faut le comprendre. On ne peut pas passer. Ou alors tout simplement, j'ai mon fils qui arrive à Paris, il cherche une colocation. Ça fait petite annonce. Et voilà, malgré toute la cause, elle est noble, elle est légitime, voilà le mot que je cherchais. Mais on ne peut pas, enfin je ne peux pas me permettre de tout publier. Donc, de grâce, c'est pareil avec les vidéos sorties de je ne sais où pour expliquer un petit truc. Il y a plein de choses qui traînent sur Internet. Honnêtement, je suis saturé sur les MP de plein de choses comme ça. En fait, tu vas sur 10 MP, il va y avoir un d'efficace. Et puis, tous les autres, ça va être un petit peu comme ça en douce. Donc, la modération, je disais, qu'est-ce qu'on a vu récemment? On a vu récemment. Ah oui, le lien autopartage, Orange Autopartage, qui est un lien internet, c'est-à-dire que n'importe qui, à partir du moment où tu t'es inscrit, tu as accès au véhicule autopartage d'Orange. Je te rappelle les tarifs, 15 euros le soir entre 18h et 9h le lendemain matin, 50 euros le week-end du vendredi 18h au lundi 9h. Des fois, c'est repoussé quand il y a un pont. Tout le monde y a accès, il suffit simplement de s'être inscrit et le lien, il est disponible. Je crois que j'ai mis un petit hashtag et puis il suffit de le demander, quelqu'un le retrouvera. Là, je regarde votre avis remis en cause. Ah bah oui, ça c'est toujours pareil. On est toujours remis en cause à la modération, c'est jamais bien, c'est toujours trop. On bloque la liberté d'expression, etc. Salut Gis, comment tu vas? Comme tu dis toi, heureusement que je ne l'ai pas, mais en tout cas ce matin, j'ai la moule qui claque à Deauville. Il fait moins 15. Notre ami de Corse dit qu'il fait moins 15, mais bon, on est dans les 15 degrés, peut-être 17, mais en tout cas, ce n'est pas ce à quoi on est habitué. Autre chose, oui, quelqu'un disait comment on peut réussir à faire une bonne recherche dans le groupe. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de postes. En ce moment, ça tourne entre 100 et 110, 120 par jour, 10 fois plus de commentaires, donc c'est très difficile quand tu arrives le soir après ta journée, de te dire, tiens, je vais retrouver un sujet dont on a parlé. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser le hashtag. Je m'explique.
tu fais un post pour parler, ben, je sais pas, du iPhone ou d'une fonctionnalité ou d'une question, par exemple la Femme tout seul, dans ta question, fais hashtag. Si tu fais hashtag Femme tout seul, hashtag iPhone, hashtag nouvelles conditions générales, hashtag ce que tu veux, eh ben, il suffira ensuite de faire une recherche par le hashtag et tous les posts et les commentaires qui en parlent ressortiront. C'est la seule façon qu'on a aujourd'hui d'avoir quelque chose d'à peu près correct, parce que qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est quand c'est touffu, quand il y a beaucoup de trucs, c'est beaucoup. Paoli qui dit, à la modération, vous êtes une dictature sous couvert de démocratie et bienveillance, il paraît. Alors ça, effectivement, on pourrait en dire longuement, en parler longuement de la modération, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça fait 4 ans et demi que ça tourne comme ça. Voilà, les sujets qu'on interdit, je pense que c'est réfléchi. C'est pas pour brimer la liberté d'expression, c'est surtout parce que c'est pas l'endroit pour parler de politique, de religion, de syndicat. C'est pas l'endroit de petites annonces, parce que on pourrait très très vite se retrouver avec un bon coin bis. Hein. Imagine, sur 10 000 personnes, il y a bien 100 personnes par jour qui ont une petite annonce. Hein. Une location d'appartement, location de bagnole, recherche de nounou pour les gamins, donc c'est pas le lieu, et surtout la bienveillance. Alors ça, la bienveillance, c'est surtout pour l'image qu'on donne aux autres collègues. C'est vrai que certaines personnes qui ont tendance à être un petit peu ardues sur la façon de causer et de réagir, eh ben ça, on modère, voilà. Donc, eh ben, encore une fois, hein, on fait comme ça. Et puis, il y a la base de la base qu'il faut pas oublier, c'est que cette communauté, elle est privée. C'est important, le mot privé, c'est-à-dire que même si on est tous des salariés d'Orange, de filiales, de partenaires, il n'empêche que c'est pas la boîte, ça n'appartient pas à la boîte. Donc, on a quelque part, il faut accepter ce qui est. En fait, quand tu reçois la charte, hein, ou que tu peux la lire sur le groupe, en fait, c'est où tu l'adoptes et tu te dis « Ok, oui, je vais faire comme on me dit ». Ou alors tu sors. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui trouvent que le moyen d'expression ne leur correspond pas et qui s'en vont. Alors qu'ils s'en vont et qui vont parler ailleurs, etc., etc. Donc voilà, c'était un petit rappel, mais bon, ça mérite quand même d'être dit, parce que en fait, on se rend compte qu'il faut répéter les choses et les répéter et les répéter. Ghislaine, tu dis quoi? Bisous, je finis d'arroser chez moi. Ça claque pas, ça transpire. Ah oui, à ce niveau-là, oui, c'est ça. Salut Eric Pio. Hop, je suis en train de chercher où est-ce qu'il est mon direct. Voilà. Lulu, Julien. Watt, qu'est-ce que tu me dis? Salut Watt, comment vas-tu? C'est un peu comme la police, on les aime pas trop, mais on a besoin d'eux. Ouais. Encore que j'aime pas trop la comparaison avec la police. Hein. Non, je te dis ça comme ça, hein, parce que voilà, c'est plus, on va dire, un outil de régulation. Et comme d'habitude, au bout d'un moment. Facebook nous fait des misères. Alors j'espère que sur le direct ça fonctionne, mais moi sur le truc, je suis un petit peu dans la misère. Voilà. Bon, donc je te rappelle, si tu as des sujets que tu veux qu'on aborde, n'hésite pas, tu me fais un petit coucou. Salut Luc. Alors Luc, par contre, je sais que tu es là. Ça serait bien que tu viennes te montrer un peu à la caméra, que je te présente en tant que grand maître, influenceur de Twitter et agrume par le fait ce qui n'est pas un mauvais truc. Attends, je sors de là, hop, je sors de là, voilà. Je sais pas où ils sont les Anthony et Julien. Julien, bonjour de Bretagne, moins un de la sortie de l'iPhone. Alors, ouais, toi tu dois faire partie de ceux qui attendent, ouais, je le veux. Alors par contre, ce qui sera bien, c'est que ceux qui avaient un iPhone X et qui vont se lancer sur le XS, S Max et les autres, eh ben, de venir nous dire honnêtement et franchement s'il y a vraiment une différence. Hein. Parce que moi, pour l'instant, par exemple, je suis quasiment certain de ne pas pouvoir l'acheter. Déjà parce que le prix, c'est un rein. Et que pour celui-là, j'ai déjà vendu un, donc il m'en reste plus qu'un. Mais de nous dire vraiment si on voit une différence dans une utilisation normale. Hein, parce que les geeks qui vont me dire oui, l'appareil fait ci, le machin, le bidule, non. Moi, je vais dire l'utilisation de tous les jours, savoir si effectivement tu as quelque chose de plus. Donc on compte sur toi, hein, ceux qui vont l'acheter demain. Je cherche mon live que j'ai perdu et je suis toujours en train d'attendre. Voilà, je l'ai récupéré. Ok. Ouais, il est là. Il y a une star. Il y a une star. Il y a une star. Comment ça va?
Luc bon, Jacquet. Bonjour, bonjour à tous. Oui. Ah, voilà. D'habitude, je te regarde, tu vois. Voilà. Là, on est en direct. Je suis content de t'avoir ici. Et à tout le monde, comme aux autres, j'ai demandé comment ça se passe. Alors, ça commence à 9h30, il y a des ateliers aujourd'hui. Non, mais hier, ton impression et tout. Si, c'est bien. Ouais. Un bon cru, un bon cru. Ifen. Ouais, bien. Ouais, c'est sympa. Il y avait Ayam à Marseille, ici c'est Ifen, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Mais là, c'est bien parce que c'est national. Ouais. On est tous là. D'habitude, c'est par demi-région, donc ça va. Bon, ben c'est bien. Bon, allez, je te laisse. Compte sur toi pour quelques photos dans la journée. Ah, bah oui, il y en a plein. C'est bon. Allez, bye bye. Luc Jacquet, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Et les voici, les voilà. La France. Salut Anthony. Ça va? Vous avez bu hier, vous? Non, pas plus que de raison. On travaillait. Voilà. Bon, dernière question, rapproche-toi qu'on te voit, parce que là, il y a Olivier qui t'attend. Hein. Ah. Bon, déjà, merde, j'ai loupé Jacquet avec le comment Olivier, ça s'appelle? Je connais pas d'Olivier. Olivier qui? Je connais pas d'Olivier. Allez, petit voilà. Voilà. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, on parlait de la modération il y a 2 minutes, en v'là deux. Hein, et ils nous ont traité de police. De police? Ouais. C'est André, il a dit c'est un peu comme la police. On va avoir le droit à mettre des menottes ou pas? Des menottes, des pas tranquille, mais comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Journée très sympa hier avec des nouveautés sur Orange Bank, des petites annonces qu'on ne peut pas encore. On ne peut pas dire. Super soirée. Ouais. iPhone. Tu connaissais? Ouais. Moi, il y a un truc que je me pose, une question que je me pose. Tu sais qu'iPhone, ils ont fait l'inauguration d'Orange Garden. Ouais. Ils ont fait un truc à Nice aussi pour Orange. C'est la troisième ou quatrième chose qu'ils font pour Orange. Il n'y aurait pas de... Je pense que c'est Deezer qui les met en avant, en fait. Ils ont été invités là, par Deezer. Là, c'est Deezer qui les a invités, donc à payer à la soirée. D'accord. Et là, par conséquent, je pense que c'est aussi pour les mettre en avant. Ouais. Ah oh, bah c'est bien. C'est un super groupe, c'était vachement sympa. Tu sais que je vais dans ta boutique après? Pas tout de suite, mais dans l'après-midi. Je leur ai dit. Laquelle? Ils t'attendent. Lisieux. J'ai trop de boutiques. On sait où il va, c'est officiel? Oui. C'est officiel. Ok. Donc viens, on te voit. Julien qui va à Fécamp bientôt. Ouais, bientôt à Fécamp. Et qui m'invite pour une matinale à Fécamp. J'adore Fécamp. Ouais, c'est pas quand, mais. Ma jeunesse. Tu l'invites. Non, ils n'ont pas donné la vraie raison du départ. Donc on a vu le numéro 2 seulement. Attends, je réponds à Pascal Pailliton. Voilà, on sait pas. Le numéro 2 qui a géré le truc. On ne sait pas pourquoi le numéro 1 est parti. Bah alors moi, je peux te dire, c'est parce qu'il n'est pas assez payé. qu'est-ce que je vais dire? Je comprends pas, on lui a proposé un débis. Je comprends pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Toi, tu t'en vas aussi? Pas pour l'instant. D'accord, ok. Bon bah les gars, bonne matinée, enfin bonne truc. On repasse tout de suite. Tiens, vous repassez? Avant que j'y pense. Ah oui, merci. Et pour toutes les... T'as vu? Il est gentil. Laura. Ouais. Ça me sert jamais. Voilà. Non mais voilà, en fait c'est un transfert. Julien, tu as les tétons qui pointent, excitation du matin. C'est vrai? Ouais. Mais c'est parce que j'ai passé la nuit avec Anthony. aïe. Non mais est-ce que vous avez remarqué que Paoli, il n'y a rien à faire? On parle de choses et puis elle te ramène un truc. Elle est au café, la République. Ouais, non, elle est en train de se droguer dans son plumard. Donc merci Julien. Deux porte-clés Laura, comme j'avais dit, hein. Comme Laura, il y en a beaucoup qui l'ont mis dans le placard. Moi, je suis preneur. Hein. La lampe, les porte-clés, hein, ça, c'est pour pister mon chien, mon chat. Les deux premiers, c'est déjà sur mes deux filles. Et comme tout le monde sait, hein, j'ai 5 filles, il m'en manque 3. Donc, si tu as des trucs, Laura, qui traînent dans un coin, tu t'en sers pas. Moi, je suis preneur. Voilà. AMP, tu me donnes l'adresse. Je viens même les chercher. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là-bas en attendant. Hein. Hop. Donc, convention. C'est bien. Hein. On a parlé. Alors, salut Patrice Jacob, comment vas-tu? Sylvie Boyer, Saint-Mathieu, c'est demain. Ah bon? Je m'a trompé. Et alors, c'est Saint quoi aujourd'hui? Sylvie Chanu est là. Nouveauté Orange Bank, ils ont donné la vraie raison du départ. Non. Encore une fois, non. De toute façon, s'il y a des nouveautés Orange Bank, c'est très bien. J'ai 3 bases Home Live SAV qui traînent si tu veux. Alors, le problème de la base Home Live, c'est que si tu n'as pas l'abonnement, ça ne sert absolument à rien. J'ai déjà cherché avec tous les geeks que je connais, il n'y a personne qui est capable de me faire fonctionner une base Home Live sans l'abonnement. En plus, ça ne sert à rien d'en avoir 2, 3, 4. Hein. Tu sais très bien que... Ah, aujourd'hui, c'est la Saint-David. D'accord, Saint-David. Alors, j'ai dit Mathieu.
Ma grand-mère avait coutume de dire, la pauvre, que la fête, ça se souhaite la veille. Donc j'ai souhaité la Saint-Mathieu pour demain, bon c'est bon. Et puis aujourd'hui c'est la Saint-David, tant mieux. Je regarde un petit peu ce qui se dit. Sylvie Chanu, j'avais vu. Pascal Payton, hein, ouais, bonjour de Bretagne. Pas de souci, je te dirai. Voilà. Ok, donc Julia, très bien. Donc dès que toi tu es... dès que tu sauras, tu me diras, c'est la comparaison avec le... Je regarde si je regarde pas des... Si je trouve pas des... comment dirais-je? Des agrumes dans le coin. C'est qu'ici, c'est... Voilà, ça grouille d'agrumes, hein, ils sont tous là. Enfin, pas tous, puisqu'il y en a qui sont derrière leur écran et qui ne sont pas là. En tout cas, une chose est sûre, les modos, c'est comme un outil de... Ah oui, les modos, c'est l'ARCEP. Eh ben André, tu devrais... Ben, tu vois, c'est une abréviation, ARCEP. Tu devrais faire la même chose en mettant dedans CDZ, tu vois. Agence de régulation, à ARCDZ. Et voilà, voilà, comme ça, on se fait un nouveau truc. Voilà. Quoi d'autre dans les sujets? Alors, hier, j'en avais qui m'ont échappé. Je cherche... Une foule pétée de thunes. Non, pas tant que ça. Salut Ronan, du côté de Vannes. J'espère que la petite, elle se tient toujours autant. Merde, j'ai paumé son prénom. Votre technicienne, enfin là, vous en avez plusieurs, vous avez trois techniciennes, mais celle que j'ai, elle s'appelle Hélène. C'est ça? J'ai dit une connerie. il y a Jean. Ah oui. Hier, alors, en même temps qu'il y a ici. La convention des vendeurs. Salut Mathieu, je pensais que c'était ta fête aujourd'hui, mais c'est pas ta fête. En même temps, à La Réunion, il y a l'Orange Business Tour. L'Orange Business Tour avec Jean-François, toujours élégant, avec son petit nœud pape, voilà, qui nous a fait des lives tout au long de la journée, qui nous a présenté des trucs bien. Et donc, ben voilà, j'ai demandé à Jean-François, tu aurais pu m'emmener mais non, ben, il n'a pas voulu. Mais enfin bon. Il nous a parlé d'Orange Business Tour et il a, ouh là là, il a envoyé de belles photos. Au bord de la piscine, bravo. la classe. Oups, hé, je lui dis envoie-moi quelques photos. Écoute, il m'a envoyé que des photos de belles gosses. Attends, je te montre, hein, parce que c'est toi. Hop, regarde. Hein. Où est la caméra? Elle est là, hop, 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 hop. Je sais pas si ça se voit là, voilà, regarde. T'as vu un petit peu? Que des photos de belles gosses. Paoli, tu dis que convention, manager et pas vendeur. Les vendeurs sont au bercail pendant que les chattes et les chats... Je vois pas la suite. Eh oui, mais c'est comme ça. T'as tout compris. Voilà. Il faut que je t'explique la motivation en pyramide. Le boss, il est motivé. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut... À ton avis, qu'est-ce qu'il peut le motiver, Stéphane Richard? Stock options. Le boss, il est motivé par les stock options. Ensuite, il motive en dessous, ça descend en dessous. On motive les RB et les RS et les, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a même encore plus haut aussi. Ah oui, il y a tous les DO. Ah ben voilà, tous les DO. C'est ça. Et ensuite, quand il va rentrer bien énervé, hein, un peu avec la gueule de bois, là, il va y aller. Il va dire, bon, ouais, il faut, là, maintenant, il faut donner. Et là, tu vas donner. Salut Farid Ben Ali. Ah, toi, tu es nouveau, toi. Ça fait... J'ai jamais vu son nom. Bienvenue Farid. Bienvenue Farid. Rappelle-lui, qu'est-ce que c'est la matinale? Alors c'est une émission journalière où on discute des nouveautés, on échange, tu peux même intervenir en direct par le chat. Oui, vaut mieux par la chose que ça marche plus. Ça marche plus la caméra. Si, ça marche, mais ça coupe le son, après on part en merde, enfin bon. Non. Merci Facebook. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on va quand même avoir Stéphane Richard cet après-midi. Stéphane Richard. Ah, il vient là. Il vient tout à l'heure pour nous voir et on va avoir la destination du challenge du T4. C'est surtout ça l'information avec laquelle on va revenir. Ouais. Il vient deux jours juste pour faire ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, vous me mettrez ça en direct, un petit truc, non? Que je le sache. Oui, oui, on va vous envoyer les infos en live. Ouais, ouais, parce que quand même, c'est un truc qui doit être partagé. Lisbonne? Non. Julia, Lisbonne? Ah, bah non. C'est quoi ce désordre? Vous n'êtes pas motivé ou quoi? Bon, tiens, lève-la, Alain Bataille. Ou là, Alain Taïba. Attends, non, mais vous le connaissiez pas? Bonjour. Julien, Anthony. Alain Taïba, du coup, maintenant. Oui, bah maintenant, Bataille, oui. Non, tu t'appelles Alain, il s'appelle Bataille. Oui, mon pseudo, c'est Taïba. Ah, c'est Taïba. Viens, photo, photo, photo. Tant que je te tiens. Alors, toi, tu viens du côté de Nice? Non, non, Avignon. Ah, Avignon. Avignon. Et qu'est-ce que tu fais maintenant comme job? Parce que j'ai vu que tu avais changé. Je suis manager, là, je suis responsable de formation. Maintenant. Alors. Il y a un truc qui m'épate, c'est qu'en ce moment, tous les gens qui sont managers, tout ça, à un moment donné, formation. Ça faisait 5 ans et demi. Donc est-ce qu'on ne va pas se retrouver à un moment avec trop de formateurs? Ah,
Non, pas trop. Il n'y a jamais trop de formation. Voilà. Juste un petit parenthèse, Alain Taïba, qui met souvent des photos relativement olé olé. La modération peut le dire. C'est vrai. C'est lui, t'as vu? Il n'a pas l'air d'un obsédé comme ça tant que tu le vois. Et pourtant. Ouais. Bonne journée. Ça se passe bien là? Ouais, très bien, super. Ça marche. Bonne journée à tous. À bientôt. Ciao. Voilà, écoute, on est toujours sur la matinale. Un peu longue aujourd'hui, j'ai l'impression, non? Il est 9h14. Ah oui, on est presque à 30 minutes de matinale là. On va fatiguer, mais bon, c'est très bien. Anthony a oublié de dire un truc bien précis. La matinale au départ, c'est pour souhaiter les anniversaires. Ah oui. C'est la base, c'était ça. D'abord, au début, c'était que ça. Joyeux anniversaire, tiens, 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 tiens. Et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, d'aiguille en fil, on est parti à faire un petit peu n'importe quoi. Ben, et puis voilà, c'est comme ça. Salut Michel, salut. Oh, ma Nono, Nono est là. Renard, j'ai vu. Pascal, SR est motivé par les erreurs de diffusion de SFR. Oh, ça fait les choux gras, hein. Le match de foot. Alors par contre, moi, j'ai pas compris. Le match de foot, il était sur RMC Sport. Exactement. Mais il était ailleurs aussi. Non, il était que sur RMC Sport. Parce que nous, on l'a vu pendant l'after. On n'a pas eu une coupure dans le bas, dans le café. Ah, c'était peut-être en parabole. Bah peut-être, enfin, je sais pas comment il avait. C'était tous les RMC Sport sur le digital, en streaming, ouais. Sur le site, ou via des clés, etc. Ouais. Et en partie sur les décodeurs ADSL. Par contre, tous ceux qui étaient en parabole via canal satellite, il ouais. n'y a pas eu de coupure parce que c'est du flux satellitaire, donc du coup, il n'y a pas de... Parce que là où on était, honnêtement, quand je vois l'énervement des gens, si jamais ça avait coupé, on ne serait pas vivant. Ah, ils auraient tout pété dans le machin. On en parlait hier. Hein. Ah ouais, c'était quelque chose. Ça continue de discuter. Ouais. Bon. Vous n'avez pas de code RMC? Non. Pour Olivier, pour son cousin. on a trouvé d'autres moyens. Ah, il y a moyen de truander? Ah, il y a moyen, mais je ne vais pas le dire en direct. Ah bah si, tu peux. En streaming, sur des chaînes russes. On a appris le russe mardi soir avec les motos. Bon, bah écoute, c'est good. Oh, il y a Mastou. Oh, Mastou, elle est toute guette, elle te met des petits bisous. Salut Mastou. Il y a Mastou, il y a... Ah, il y a Christiana des Caraïbes. Salut à toi, gros bisous. Salut Mafou de l'Arfi, Bubu Rocco, Oli. Et il y a une agrume qui arrive. Attends, bouge pas. Je mets la machine à selfie en route. Où elle est, Samia? Ah. Moi, je viens là que pour la voir et elle n'est pas là. Elle se fait discrète. Hein. Nous, on est un petit peu en retard. Ouais. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Approchez, approchez. Bonjour. Mais présente-toi à la caméra. Bah, Amandine, adjointe à Rouen. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Bisous. T'as vu comment j'ai piqué le selfie? C'est comme ça. Tout dans la douceur. Selfie avec Huawei P20 Pro. Non, mais je le dis, je le répète. Je répète. Monsieur Huawei. Et tu sais, il y a un centime à chaque fois qu'il dit. Il faudrait, tu sais, des trucs pour compter les gens. À chaque fois que je dis Huawei, cling, cling, Huawei, cling, cling. À chaque fois, ça serait le top. Bon, ben voilà. Oui, Nono, je suis à Deauville. Ben oui, puisque... Ah ouais, je sais que c'est écrit là-bas, à l'envers. C'est marqué Convention Client 2018, Famille Inside. C'est quoi cette histoire de Famille Inside là? Qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Ils veulent rentrer dans notre famille? On est déjà dans la famille. Oui, non, déjà mais... déjà dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'ils vont changer? Ah bah aujourd'hui, toute la vision d'Orange, c'est la famille. Que ce soit sur les offres, que ce soit sur la banque également, c'est ça qui va peut-être arriver. Oh. Et la famille aussi, parce que y a les AD, il y a les SCO, il y a les UI qui sont là pour la première fois cette année avec nous. Ah ouais. Certaines UAT également, les Caraïbes, les GDT, tout le monde est là. Donc la famille Inside, c'est nous la famille. Il manque juste une chose, c'est la communauté des agrumes, quoi. Mais officielle. Bah ouais, non. Officiellement. Il y en a beaucoup, beaucoup d'agrumes. Ah oui, non, mais j'imagine, ouais. J'imagine. Ok, bon, ben, je vais vous quitter, on va se donner rendez-vous demain, vendredi, pour une matinale. Je ne sais pas où ça sera, on verra où ça sera. Et puis surtout, très important, la VDS le soir, et puis, ok. Prends soin de toi, pour tous ceux dont c'est l'anniversaire, profite bien de ta journée un maximum, ne remets sûrement pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et puis, bye bye. Donc on était à Deauville, hein, à la convention, je le dis,
Ça sera le replay que tu pourras regarder. Au revoir.